J'arrive. Coucou. Ah bien, là tu montes en marche arrière. Allez. Hop. Après, je tourne. Hop. Est-ce que tu as l'ancrage là? Donc ça, explique-nous, ça tient le fauteuil ça? Ça fixe le fauteuil, ça l'attache. D'accord, ok. Allez, monte-nous. Hop. Là, je suis enclenché. Allez, ok. Donc là, c'est bon. Là, quoi qu'il arrive, il ne bougera pas le fauteuil. Non, il ne bougera pas. D'accord. Donc comment tu... Accélérateur. Accélérateur. Fin à main. Fin à main là-bas, ok. Et boîte automatique, faire la marche arrière. Allez, allez. Pour pouvoir revenir derrière. Débloque-toi pas tout de suite, comme ça on le montrera. Donc là c'est bon. T'as ouvert ton coffre. Là il faut que tu te débloques, c'est ça? Ouais, mais je me suis débloqué. Attends. Ah, voilà. Mais il faut que tu viennes filmer là. Alors je viens là, vas-y. Tu vois, il faut que tu passes là. C'est le bouton vert là. Ok, un bouton là-bas, ça marche, ouais. Oui. T'inquiète pas. Donc là ça débloque. Ça débloque. Hop, alors là je m'en vais. Et là tu peux reculer. Hop là, parfait. Donc là, Michel, par exemple, tu veux amener du monde dans ta voiture, tu peux? J'ai deux sièges trapentins à l'arrière, oui. Ok, du coup, tu peux monter à 3. Ah voilà. C'est ça, à 3, ok. Et alors, pourquoi t'as pas de siège passager? J'ai pas de siège passager parce que comme je monte en marche arrière, normalement, j'ai une roulette anti-bascule. D'accord. Et avec la roulette anti-bascule, je peux pas tourner dans la voiture. Donc, je monte en marche arrière, sinon je basculerai... Ok. Et ça me permet de tourner, donc j'ai pas de siège. Ok, voilà.